Coucou les loulous, on est de retour, on est à la plage, vous voyez, les pieds en éventail, voilà, tranquille. La mer est pas loin. Oui, bah, c'est la mer, on a du mal. Hein. Nous avons le café, nous avons le parasol, bah, on l'a plié parce qu'il n'y a plus de soleil. Vous entendez la mer? C'est pas la mer, ça, c'est l'explosion. Bon, alors là, on fait le petit haul-nose. Petit haul-nose, comme on a été chez nous aussi. Voilà. Bon, on n'a pas très grand-chose non plus. Oui, pareil, c'est un peu petit. Hein. Je sais pas, ils s'étaient pas installés, j'en sais rien. Ouais, c'était à moitié vide, j'ai l'impression. Donc, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Bon, on a pris ce qu'on voit. Donc là, j'ai pris des gâteaux mixés Milka. C'est des roulés à la cerise. Il doit être bon, ça, là. Ah, au kirsch. J'avais pas vu qu'il y avait du kirsch. Ah, je vais goûter. Je vais même pas présenter l'article. J'ai pas dit le prix. Ben non. Il est fou. Bon, voilà comment. Gâteau. Il a tout dégagé. Gâteau. Tout est déchiré et tout, là. En tout cas, ça sent bon. Donc, c'est Milka qui fait ça. Je pense que c'est une nouveauté chez Milka. J'ai trouvé chez nous. Ils sont à la cerise et au kirsch. Il y en a 4 dedans, enfin maintenant il n'y en a plus que 3. C'est bon. C'est 1,40€. Voilà. Donc si vraiment ils sont bons, on en reprendra. Ah oui, franchement. Voilà. Je vous le conseille, ils sont très 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 bons. Tu veux un morceau? Bah, je peux aussi pour le thé, parce que le kirsch, moi j'aime pas trop. Tu sens pas trop le kirsch, vas-y. Ça fait comme dans les chez mon chéri. Non, bah, mon chéri, t'as de l'alcool dedans, mais là on sent. Eh bien, le kirsch, c'est de l'alcool. Hein. Tu vas m'apprendre, j'ai fait restauration. Le cuir, c'est de l'alcool. Tu vas pas m'apprendre, j'ai fait de la restauration, j'étais barman, donc je sais que c'est le cuir, c'est de l'alcool. Ah bon, tu crois que... Ah, c'est incroyable ça. J'ai pas trop la cerise, je trouve. Non, mais on sent l'arrière-goût de la cerise et du cuir à lapin. Nous faisons une dégustation pour vous. Voilà, nous faisons du ASMR. Non, c'est une dégustation, c'est pas pareil. Là, si, on en fait. Voilà, c'est du ASMR. Mais franchement, je vous le conseille, c'est très très bon. Franchement. Bon, enfin bref. Donc voilà, ça c'était les petits gâteaux que j'ai achetés. Cécile, elle m'a trouvé. On parle pas la bouche pleine. De la sauce andalousie. Andalouse. 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 Voilà bien parce qu'on voit pas la. De la marque Calvé. On avait déjà pris déjà la dernière fois qu'on avait été. Et je l'ai déglingué en même pas une semaine, j'ai déglingué la sauce. Elle est très 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 bonne. Je vous la conseille. Et elle coûte 60 centimes. Donc franchement, ça vaut le coup pour ceux qui adorent ces genres de sauces là. Donc je vous le conseille. J'ai pris un déo de fraîcheur là. Voilà. C'est pur air. Il est senteur magnolia et frisia. Parce que c'est comme les fleurs que c'est senteur. En tout cas, il coûte 80 centimes d'euros, donc allez-y, apparemment, il sent bon. J'ai trouvé des piles, Bartha, des AAAAA. Apparemment, ils durent un peu plus longtemps que les autres. Et c'est 1,50€, les petites piles comme ça. Qu'on met dans les télécommandes ou dans les trucs de lumière, donc j'ai pris cela. Il y en a 4 dedans et c'est à tester. Donc il y a 40% en plus de more power, qui veut dire peut-être de l'énergie. Il y a 40% d'énergie dedans en plus. À toi, arrête avec ton téléphone là. J'ai pris un peigne. Comme ça parce que j'en avais un, c'était la marque Babyliss.
Et je sais pas où il est. Je sais pas, j'arrive pas à le remettre la main dessus. Il est tombé derrière encore, comme d'hab. Peut-être qu'il est tombé derrière notre meuble, je sais pas, faut qu'on voie ça. Donc voilà, un peigne tout simple, regardez. Hein. Mais ils sont très bien ces peignes-là. Anti-statique. Anti-mouche. Ah. 1,19€ chez Noz. Voilà. Notre abonné a été fouiné dans les trucs de. Il y a du caca dedans. Dans les trucs de vaisselle et tout. Et elle a trouvé une petite tasse pour Cécile, comme elle aime bien les chats noirs. Donc elle a réussi à trouver une petite tasse pour 1,20€. Donc voilà, il y a le petit chaton qui fait joujou avec ses papates. Et derrière, ça fait comme un genre de petit cœur. Voilà. Elle est très très jolie, elle est bien. Et ça fait une tasse. Ah oui, c'est marqué Love. J'ai même pas fait attention. Love. Ouais. Oui. Donc voilà, ça fait une tasse en plus pour Cécile. Voilà. J'ai pris pour les toilettes, c'est pas les mêmes que tout à l'heure qui sont. Ouais, c'en est d'autres. Des relations, ça c'est les brefs. Ils sont voilà. Je sais pas ce que c'est comme goût. Lavande. J'ai même pas fait attention en plus. Lavande. Voilà. Donc vous en avez deux, hein. Un plus un gratuit. Et ça coûte 2,18€. Voilà, donc ça c'est pour mes toilettes. Ça sent bon aussi. Et sur la lavande. Donc si vous voulez, on a trouvé deux bœufs à Noz. Donc ça se présente comme ça. Et c'est des trucs qui peuvent se piquer dans la viande et tout. Ou dans les petites saucisses, vous les plantez, comme ça vous les mangez. Et ça, c'est 1 centime l'unité. Donc, profitez-en, c'est vraiment pas cher, pas cher. Donc, j'en ai pris deux. Un pour moi, pour Cécile, comme ça, ça fait 2 centimes. Et allez-y, c'est pas cher. Profitez-en. Pas cher, pas cher. Bon, tu fais quoi là? Karine n'a pas à attendre. Là, elle m'a fait un appel vidéo, c'est pour ça que j'ai dit qu'on était on était déjà en vidéo justement. Notre abonné, c'est pareil. Ouais, partout elle allait, elle trouvait des trucs. Elle m'a trouvé des trucs flamants roses à chaque fois. Donc là, c'est une brosse pour se coiffer les cheveux. On dirait qu'elle a été aimantée par les flamants roses. Avec un c'est trop marrant. Rose. Alors, il y a un truc en plein devant. Nous, on n'arrive pas à en trouver, mais notre abonné, elle a. Elle arrivait. Il y avait en jaune, parce que là elle est jaune-vert. En passant, on te fait un petit coucou. Vraiment, il y avait en bleu aussi avec le flamant rose. Et vous aviez d'autres styles. Hein. Il n'y avait pas que le flamant rose, il y avait d'autres styles aussi. Donc là, il y a le flamant rose en plein milieu, flamingo, sauf qu'il y a le prix dessus. Voilà. C'est 1,99€ la brosse. Ouais. Voilà. Mais il y avait plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Il y avait pour flamant rose, il y avait bleu et jaune vert comme ça. Il n'y avait pas que flamant rose, hein. il y avait après, des y avait licornes, modèles, ouais, des licornes, il y avait des fleurs, après il y avait un autre, mais je ne me rappelle pas. Il y avait un personnage là, je ne sais pas ce que c'était, je me rappelle. Moi, un personnage de dessin animé, je ne sais pas quoi. Voilà, petite brosse, tout ça. Mais les licornes étaient mignonnes aussi, c'était sympa. Pour moi, pour mon travail, quand je vais reprendre le boulot, je me suis pris, enfin c'est Cécile qui les a trouvés, de la marque Cuisine Océane, je me suis pris des spaghettis à la bolognaise. Bon, vous allez me dire, on peut le faire à la maison. C'est vrai, il n'y a pas de souci, on peut les faire nous-mêmes à la maison. Mais j'ai voulu tester ça de chez Noz. Comme il y a certains plats de chez Noz, ils sont pas dégueux, ils sont pas trop mal. Donc moi je voulais prendre cela et je vais les tester pour lundi ou mardi. Je pense plutôt lundi quand je vais reprendre. Et ça coûte 1,45€. Donc voilà, en plus c'est pur bœuf française. Voilà, avec des pâtes cuites aux œufs frais. Donc je vais voir. C'est des paquets de 300 grammes pour une personne. Donc voilà, je vais tester, je verrai bien. On verra bien. Il y a une recette derrière. Non. Ingrédients pâte torsade pré-cuite.
terrible de vivre avec grand paprika. Non, c'est pas une recette, ça, c'est la recette. C'est la pâte à bolognaise, ouais. C'est la recette de ça. Après, je me suis surpris ces petits trucs-là de Côte d'Or parce que j'ai super aimé. Que ce soit l'orange ou à la poire, mais j'avais pas à la poire hier. Donc j'ai repris à l'orange, ça fait un peu comme les orangettes. J'adore ça, c'est du chocolat avec l'orange dedans. Donc, mais c'est Côte d'Or, mais franchement, vous avez l'impression de manger de l'orangette, c'est trop bon. Ça, ça coûte 1,39€. Donc pareil, si vous avez l'occasion d'aller chez nous, allez-y, profitez parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Ah mais c'est vrai, c'est bon. C'est trop trop bon. Mesure prix, enfin mesure prix. J'ai trouvé une petite sauce XL de burger de la marque Ilou. Donc c'est pour les hamburgers, les frites, les sandwichs, enfin toute la panoplie. Donc je sais pas si vous connaissez peut-être pas ou vous connaissez. Voilà, c'est cette sauce là. Donc je vais tester, je vais goûter pareil. Hein. Mais comme moi je suis un fada de sauce, donc à mon avis je vais aimer. Et puis à mon avis elle va pas durer longtemps encore dans le frigo. Peut-être dans une semaine ou deux semaines, il n'y en a plus. Mais ça va, des petites choses comme ça, ça dure quand même assez longtemps. Donc ouais, bien petite semaine. Bien deux petites semaines. Voilà pour ça. Ah oui, j'ai oublié le prix. 99 ouais, centimes. Prix, Mais je demande s'il n'y avait pas d'autres d'une autre sorte, hein, j'aurais pris. Bah comme ceci, ça y est, c'est fini. Ah, c'est repris la sauce cocktail, la sauce comme ouais, elle avait pris l'année dernière. C'est quand on avait pris un pot, ça a duré 4 jours le pot. Je vous promets, la sauce, elle a duré 4 jours. Je l'ai dégommé. Quand je vous appelle dégommé, c'est que je l'ai dégommé. Il y avait plus de sauce que j'avais de pâte ou de viande. Et j'ai dit, allez, ma sauce, bah, elle est là, elle était tout. Il n'y restait plus que ça. J'avais dégommé tout ça déjà. Super bien. Mais franchement, prenez-la. Si... Encore une fois, ceux qui adorent les sauces, prenez-la parce qu'elle est. C'est une tuerie. C'est une tuerie, elle est très très bonne. Et c'est des trucs de 335 grammes, 40 millilitres. 400 millilitres. Donc du coup. Tadam, on t'est pris deux. Donc il y a un pour Cici et un pour moi. Comme ça, on ne pourra pas dire quand je vais piquer. Voilà. Donc le pli-pli, c'est marqué derrière 1,20€. Donc voilà, on a eu l'occasion d'en prendre deux. C'est pas cher, c'est très bon. Et ça peut repartir. Donc attention ce que je vais vous montrer. Celui qui rigole, je lui mets la fessée. Tiens, il y a la bonne. Une loupe. Eh oui, une loupe. Voilà, c'est pour moi. Pour, ah, tu vas pouvoir dire aussi que tu as pris ton rendez-vous, ça y est. Pour voir qu'on fait des lives. Donc si vous voyez avec la loupe, c'est que voilà, il y a une raison, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec mes yeux en ce moment. Donc c'est vrai, on rigole, mais d'un côté c'est pas marrant. Et il faut absolument que je porte des lunettes pour lire et écrire. Ou pour voir quoi. Parce que j'ai les yeux vraiment qui commencent de plus en plus à être fatigués. Je commence à de plus en plus moins voir. Et ça m'inquiète beaucoup. Et pourtant, j'ai pas de diabète, j'ai rien. Donc, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que vraiment j'ai besoin de lunettes? J'en sais rien. Mais sinon, comme ça, je vois tout, hein, tout ça. Hein. Mais dès que je veux lire ou quoi que ce soit, voilà, c'est mort. Donc, je me suis pris une petite loupiote comme ça pour moi. Voilà, pour lire vraiment les toutes petites lignes. Et ça coûte 50 centimes. Ouais, 60 centimes. Voilà. Donc voilà. Donc je verrai bien. Là, je vous vois en gros. Cécile. Ah, pareil. Voilà. Donc si vous me voyez en train de faire ça, c'est que voilà, c'est que je suis en train de lire. Donc attention, pas de moquerie. Hein. Tu vas pas là-bas. Hein, mon bébé d'amour et ton petit papa que j'aime que mon petit petit menteur. C'est pareil. Oh ma houtte. Oh mon petit bébé de gros patapouf. Je trouvais faire un son qu'ils n'avaient pas derrière. Alors, je me suis pris. Enfin, Cécile m'a payé, m'a offert
un petit carnet de la série sur Netflix de Walking Dead. Donc il se présente comme ceci, avec le petit élastique. Et tout simplement, voilà, c'est un petit carnet, tout simplement. Avec écrit en bas, bien sûr, Walking Dead. Et sur chaque machin, bah, c'est les. Vous voyez, c'est les zombies. Les mangeurs de cerveau. Voilà. Donc le devant, il est comme ça. Donc c'est le principal de la série Walking Dead. Comment il s'appelle, lui? Le shérif. Là, je sais plus comment il s'appelle. Donc celui qui regarde la série, dites-moi le nom, parce que je me rappelle plus. Le nom du shérif. Oh, pourtant on le regarde, hein, on a vu presque les 7 épisodes, enfin les 7 saisons. Putain, je m'en rappelle plus. 8. On attend la 9 là. Ah, c'est les 8 ou non? Non, on est au numéro 7. La 8, elle n'est pas encore arrivée en France. Donc ça présente comme ça au début. Et la fin, ça présente comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer le deuxième, qui est pareil, voilà, Walking Dead. Ouais, j'en voulais qu'un seul, et comme du fait que les deux me plaisaient, donc du coup, Cécile, elle me l'a pris. Voilà. Elle était à l'envers. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est la suite. Enfin, quand je dis la suite, c'est une autre façon de dessin. Là, c'est le devant. Le derrière, il est comme ça. Et je crois à l'intérieur, c'est le même décor. Ouais, voilà, c'est les mêmes. Vous voyez, c'est les mêmes photos que le premier. Avec les zombies. Voilà. Oh. Voilà, comme ça, moi, je vais pouvoir mettre mes petits trucs dessus. C'est dommage, sur au moins sur 10 pages, j'aurais pu mettre quelques petites photos de la série. Ça aurait été super joli. Ça aurait été super bien. Et c'est 2,50€ l'unité. Voilà. Comme ça, on m'a fait plaisir. Hop. Et voilà pour Nose. Voilà, ça c'était Nose. Donc Nose est terminé. Donc on fait attention pour Blacko, parce que comme la fenêtre est grande ouverte, donc on surveille en même temps. Mouse aussi. Ce Mouse, il a tendance à sauter, lui, il fait pas attention. Lui, il a peur de rien, mais donc on fait quand même très très attention à nos chats. Voilà pour Nose. Tu vas pas à la fenêtre, Mouse, hein? Ah non. Hein? Ah ouais, c'est pas le de regarder papa, hein. Bah allez. Maintenant, c'est quoi le troisième? Bah, on va faire la vidéo. Non, mais c'est quoi la troisième? Stokomanie. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Donc, on va attaquer la troisième vidéo. Allez, mes amis. Au revoir. Au revoir, Hugues, pour la troisième. Au revoir. À toutes. Bisous, 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 bisous.